Salut, c'est B-Boy Girl. Donc, il n'y a pas mon intro habituel parce que ben là, je filme avec ma tablette et c'est vite avant les cours pour ouvrir le calendrier de l'Avent. Donc, ben voilà, c'est le 1er décembre. J'ai posté la vidéo soit tout à l'heure, soit ce soir. Et donc, c'est pour ouvrir la case numéro 1. Donc, c'est le calendrier de la lithothérapie. Et donc, ben, il est encore sous plastique et je l'ai depuis longtemps. Du coup, je prends des ciseaux. Pour ouvrir. Super ciseaux. Je vais poser la tablette. Je suis encore dans mon lit, mais on s'en fout. Okay. Bon, à tout à l'heure. Après le petit moment d'attente, alors je vous dis le truc, il est lourd parce que ben, bien évidemment la lithothérapie c'est en fait la médecine, enfin le soignement par les pierres, et du coup dans le calendrier il y a des pierres comme il y a sur la façade, et donc je vais tout vous expliquer si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, donc si nous avons la façade avec des pierres, donc je connais pas tous les noms, hein. Ça je pense que c'est du quartz rose, c'est un œil de tigre, mais bon. Et donc derrière, il y a toutes les pierres, sauf une, celle du 24, je pense, qu'il y a dans le calendrier avec ben, leur nom, par exemple le quartz fumé, avec la photo, et qu'est-ce qu'elle a comme, comme soignement en gros. Voilà, donc le pouvoir des pierres. La lithothérapie est un art du bien-être basé sur l'utilisation des pierres précieuses et semi-précieuses qui vous permet d'harmoniser les énergies. Chaque pierre possède ses propres bienfaits selon sa composition chimique, sa couleur et sa forme. Placer des pierres sur soi, autour de soi, dans son espace de vie, permet d'accorder les énergies. Cela rend les personnes et les lieux plus propices à la méditation, à la détente, à la discussion, à l'ouverture d'esprit. Après l'utilisation, les pierres doivent être purifiées à l'eau ou à l'encens selon la pierre. Ensuite, il convient de les recharger en les exposant aux rayons de la lune ou du soleil. Découvrez vite les bienfaits des pierres de votre calendrier de l'Avent. Donc là, voilà, c'est les pierres avec leurs bienfaits. Et ici, il y a écrit, ce calendrier est composé de 23 pierres roulées. Donc roulées, c'est comme ça, c'est en fait la forme de la taille. Je sais plus comment c'est fait, mais en gros, ça ressemble un peu à... C'est jamais le même, c'est toujours une espèce de chewing-gum, je dis. Et d'une surprise, en pierre semi-précieuse, voilà. Donc on va ouvrir. Et donc la case numéro 1, elle est là. J'ai trop envie. Je sais pas quelle c'est. Par contre, ça va être chiant à ouvrir là. Comment on ouvre? Ouais. Et la pierre, elle est grosse alors. En fait, j'arrive pas à ouvrir le truc. Ah si, ça y est. Oh! Attendez. Tada! Ça, je crois que je sais ce que c'est. Mais je suis pas sûre. Attendez. On referme. Ça. Alors. Je pense. C'est une obsidienne flocon de neige. Et même si c'est un peu dur, parce qu'il y a beaucoup moins de blanc. Mais après, il n'y en a pas d'un des bleus avec du blanc. Sauf celle-là, là. Ah, attendez, sauf celle-là, mais pas pareil. Donc, ben, je pense que c'est une obsidienne flocon de neige. Cool. Bon, ben voilà, hein. Premier jour. Voilà, c'était tout. Ben, je vous dis à demain pour le prochain jour. Salut!